Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Poza Marseille. Bonjour Ndeko journaliste. Poza Marseille, vous allez m'encore mon lobby à partir cher et à mon amboka. Fais attention à ce qu'il dit. Le haut de mi haut de bête à Marseille aussi côté la politique et la République démocratique du Congo. Mon amboka Marseille, avant la côté, vous allez m'encore le lobby, vous allez santé mon amboka Marseille. Oui, santé, vous allez très bien. Nous avons besoin de la grâce. Nous sommes toujours en vie. Santé, dame Kitoko. Merci beaucoup, mon amour à Marseille. Et tout le monde est sur la politique et la République du Congo. Bonne bonne santé à la République du Congo, mon amour. Santé à la République du Congo. Je suis moins malade parce que nous sommes en guerre. Je suis agressé. Je suis victime sous complot international. Je suis à cause de la minerie, à cause du sous-sol. Le loyo, l'Est de la République. Ça fait plus de deux décennies ba imboka ba congolais bazako koufa. L'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a yé pona ko bunda azongisa souveraineté ya mboka azongisa congolais azonga ko sepela na mboka le propre pays d'ailleurs. Merci beaucoup mon mboka Marcel aussi ko lobake mboka na biso vivre na sous contrôle il y a sous complot international sous complot à comité international tout le monde qui a processus il y a PE samaki na kati ya Angola na Luanda na samaki na Nairobi qui prévu les 30 oyo by M23 ben pour quitter va zone conquis na bango mais tu sais que constater jusqu'à maintenant le M23 n'a pas encore quitté ils sont conquis oh parce que les gros zongo en otage mon mboka qu'est-ce que cela veut dire mon mboka c'est comme si RDC a subi immigration totale vis-à-vis à Bahi pays Moussou Mwanamboka. Mais Ndeko, on a bien sûr que notre pays sous conflit international. De notre pays, tu es victime y a complicité internationale. Moi, quand on a vu tu es victime. Makambo a lobby à ultimatum Conseil de sécurité Pesaki ou Pesaki na Nzela ya le médiateur João Lorenzo. Ils allaient respecter te na yebi sa kaya chaque fois ngai na nenge na yebeli makambu ya est nenge kendera le kola comme le international soko ba grande puissance ba onyo so tuana nde ba alimentaka Rwanda donc résolution mon côté a malongo ko bima sile pe international c'est pour cela na za ko soutenir ba propos ya président de l'Assemblée nationale lors ya rentrée parlementaire ya mois de mars. À l'obagne du discours, ce qui méthode autre que utiliser, ça veut dire que non, pour la question de la communauté internationale, que tous les victimes. Ce qui est aussi battu, tout changer carte. Carte en gros, on anticipe les alliés. Mais partenariat militaire avec la Fédération Russie. Partenariat militaire avec la Fédération Russie. Pour Nako. Défendre le pays d'Abisso. Il y a quelques jours, le président russe a eu ce loba. Mon Russie va privilégier un accord bilatéral avec le pays africain. Donc, il y a un c'est que l'Abisso est rosé là. Amène Abisso et comme Mamakasi, le chef de l'État n'a pas doté en haut. Chaque du jour au jour, il a doté en haut armement. Et c'est un élus qui a doté en haut. Tout ça, là, bah, partenariat avec ma pays, la bah, Russie. Nous avons tout le monde dans un pays, Moussous. Moi, je suis dans le Mali. Le peuple malais, bah, comme vous retrouvez, mouke, paix dans le cas de Mboka Nabango. Pourquoi pas nous, la République du Congo? Mais moi, Marseille, pourquoi pas aller négocier avec le M23 pour que tu trouves moi paix, mon Mais on ne peut pas négocier avec le M23 parce que M23 égale à Rwanda.
Si on négocie la M23, c'est on négocie la Rwanda. Histoire restant, ils ont fait ah, ok, non. Avec Laurent Désiré Kabila, bah, il y a un RC de Goma. RC de Goma, bah, il y a un Zahid Ngoma. Il y a un figure qui est non, il y a un Congolais. Ba buni na excès de goma tant que tokey na Sand City boyebi que non Roubert Wabimaki ayeko défendre maintenant 21 ba Rwandais. C'est pareil avec le M23. Sauf que tu veux négocier M23 to zongi na case de départ to recorte c'est le sous ba ben filtré nanga lolo amène abiso ezali victime d'infiltration amène abiso sur le baby lolo sur moni ba mwanga chuchu Bazako ça va ventir dans la mort parce que ba compte qui à travers RC de Goma qui avait ramené les infiltrés mon amboka. Mais c'est la fidèle. La fidèle est libérateur. C'est la non. La fidèle autre mettre ma oh bino pas ma boko na ni na. Boko na ni ça c'est du comment elle ça à chaque fois que non. Boka oyo c'est l'UDPS avec le combat et de sécurité de Mulumba nego libérer boka oyo. Tous allez la première phase, phase de démocratie. Maintenant si koyo le chef de l'État a continué la phase. Il y a qu'on libère Mboka maintenant. Il y a qu'on libère Mboka définitivement. Dans ma boka impérialiste, dans ma boka, il y a un métier national. On est surtout basé sur le fait que Mboka n'a plus solo, ils ont toujours, ils ont un ciment. Libération en solo avec Félix Antoine Tshisekedi. La libération, ce n'était pas les Afdel en 97. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la finale, Ndeko. Hein? On va aux Omiko, 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 la fidèle continuité, la fidèle, c'est Joseph Kabila. On va aux Omiko, sous règne Joseph Kabila, on va Rwanda, sakana va aux sous règne Joseph Kabila, on va Moka oye komaki pays moko sans valeur, tu perds même sens y a état. Tu perds même sens. Avec Félix Antoine Tshisekedi, né à Zakoya ko l'emboussement, il mange la République. Malgré tu allé sous complot. Tu allé sous complot. Parce que chef de l'État, a yébisa qui n'a pas envoyé spécial y a Nations Unies Bato Koya. Bah représentant la bango. A yébisa qui bango, oh yébisa tu t'as là. Et les Alibos qui ont reçu le rapport au Conseil des secteurs parce que le monde noir sur blanc, il n'y a pas d'agresser Bissot. Donc, il y a une preuve. La preuve, c'est que tout le monde va quitter le terrain. Il y a une déclaration même déclaration à Goma. Il va reconnaître que non, Rwanda a agressé le RDC. Le monde, mais à Rwanda, c'est une main noire à Rwanda derrière le M23. Il y a reçu le rapport. Mais on a eu le Conseil des secteurs, il y a une réunion d'urgence. Mais nous sommes en train de se faire. Les peuples congolais, ils sont en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de faire des décisions, des sanctions contre Rwanda. Mais elle est en train de nous dire encore que la force, la jeune, il y a une autodéfense. Il y a un gouvernement à collaborer avec nous. Mais ces jeunes-là, ils ont une salle résistance. Ils pouvaient faire un fort décès. Parce que vous pouvez faire des choses. Mais vous avez dit que RDF, vous avez dit que 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 RDC a pris RDF, vous avez combattu avec vous, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que chef de l'État, vous avez dit que vous Conseil de sécurité des Nations Unies. Chef de l'État, vous avez dit que Conseil de sécurité à chaque Rwanda en défi. Vous avez dit que vous avez oh, bah, on va dire que le gouvernement congolais et ce sera pas FDL. Mais pourquoi bah, tu as besoin de m'aider à ce que s'il te plaît, à chaque fois qu'on défie, dans la tribune, il y a Conseil de sécurité. On est incapable de prouver que RDC est soutenir bah, FDL. Donc, on est une force fouillante. Ils ont ma solo à l'Okuta. Ils ont ma solo à l'Okuta. Ils ont ma solo à la table de négociation. Ils ont la fois passée, que Emmanuel Macron a qui pour négocier bah, intérêt à Rwanda. Parce que France a retiré bah, intérêt derrière Rwanda. Le quoi, le chef de l'État est catégorique. N'a pas proposé surtout Macron qui c'est pour cela, même bah, utilisateur moi personne M23, bon moni, ils allaient respecter tiens. Et il y a des tel un niveau, un président français a yé, a passé parole d'honneur na yé.
Non respecté. Non respecté. Dis-le-le. Un petit peu comme le Rwanda, ils ont soutenu groupe, ils ont soutenu ma terroriste. Seigneur de guerre à l'époque, traumatisé par Sindamouya Est, mais Balobi a un lien avec l'Ougandé. Les Ougandais, ils ont un bateau, ils ont un mal à l'aise dans d'autres pas. Est-ce que tu as la confiance à ça prochain père Bemba parce que tu as finité trop Ougandé. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de bien à côté de Jean-Pierre Bemba à Marseille? Oui, Ndeko. Il faut que tu histoire. Dans le République démocratique du Congo, c'est-à-dire seigneur de guerre, il y a le poste de ministère, institution, il y a un peu de Jean-Pierre Bemba. Mais tant que Jean-Pierre Bemba est seigneur de guerre, il y a un vice-président de la République. Il y a un directement de celui fraîchement dans la rébellion. Mais vice-président de la République. Hein? Vice-président de la République, tant qu'on a la guerre, tant qu'on a dit seigneur de guerre, là c'était pas un problème. Vice-président de la République, Roubaix-Roi, vice-président de la République, dans le gouvernement, le cas, Azalé qui est au ministre d'État, c'était pas un problème. Quand Jean-Pierre Bemba, parce qu'il a une affaire, mais comme ça, un problème d'État. Là ce sont des fausses fuyantes. Ils allaient battre au banc en présence de Jean-Pierre Bemba à la carte du gouvernement. Mais moi, je vous dis, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, c'est un félin politique. Ayebi Oyoko a sali. Ayebi Oyoko Oyo a sali. Et dans les prochains jours, vous allez comprendre que le choix de Jean-Pierre Bemba est seulement qui pourquoi. Ayebi Sio Awa, gouvernement, Sama 1, ministre de la Défense sortant, papa M. Jibel Kabanda, à Kenaki dans la fédération ici. À qui n'est qu'on vérifie, à qui n'est qu'on visite. Dépôt armes, à qui n'est qu'on visite. Dans la Russie, dans la fédération ici, pour tout le monde, on va évoluer sur le plan armement. Il avait un accord, un pré-accord et ça, les maquis. Avec Jean-Pierre Bemba, on a finalisé en haut. Pourquoi le président Jean-Pierre Bemba est comme le lobby sabbat? Et comme parce qu'il y a ça, il y a un bon moment. Jean-Pierre Bemba, il y a une union sacrée. Pour partir dans le lycée, il y a un ministre dans la Samba 1. Mais il était déjà aux affaires, à travers ses ministres. Il y a déjà aux affaires. Quand nous sommes dans Genève, Jean-Pierre Bemba a aux affaires. Alors, c'est un groupe prématuré. Vous savez que nous avons encore à Genève, voilà, Jean-Pierre Bemba a Zalagi déjà, côté des équipes prématures. Les équipes prématures. Nous avons besoin de nous faire un barangon. Mais cela, balabala. Est-ce que vous êtes sûr que Jean-Pierre Bemba va travailler bien pour l'intérêt de la nation, madame? Mais c'est un Congolais. Oyo, chef de l'État a placé confiance dans lui, a persillé le ministère de la Défense. Yo Congolais, j'en peux même assez le discours naïe, lors y a prise de pouvoir naïe. Alors binini, à cinq n'a pas Congolais tous à la main de la main, tous se soutenir, bon sunganaï pour que non, n'a relevé défi. Oyo, moi que ça cause là, cela veut dire que non, qu'on restaurer souveraineté nationale, intégrité territoriale. Moi que l'ambition c'est là, sécuriser. C'est une mission principale au chef de l'État PCA. Et moi je le fais confiance que Jean-Pierre Bemba a co-réalisé mission au Mozambique à Pessier. Merci beaucoup mon Mboka Marseille, anniversaire farouche à Jean-Pierre Bemba, fils de Museveni, aussi que ça va retraîner une armée à côté du monde politique. Dans la nomination de Jean-Pierre Bemba, tu viens Jean-Pierre Bemba, ça manque au Nabemba vraiment gravement un peu mon genre. Pardon? Fils de Museveni.
asidi ko kulungwa armé asiko kota na monde politique ayeba ko ko sala la politique sala politique ayebe moko o ataka père biko asiko ko malaise na propos na ye comment o moni kolungwa fi c'est vrai asiko bouger pe mon moke makamune zongo na ngonde ni malamboka mais là-bas na Uganda c'est la dictature, c'est la dictature pure. Museveni est en train de préparer son fils pour que nous allons remplacer. Là, c'est l'Ouganda. Nous avons République démocratique du Congo est au centre d'Afrique. Nous avons dit que et comme je suis déjà go, il a démarré avec l'actuel chef de l'État. Tant que nous avons aussi ça, le problème est entouré sur la Mboka. Nous avons libéré tous les pays frontaliers. Mission, parmi ma mission divine, au chef de l'État Zanayango, ils allaient libérer l'Afrique et le Grand Lac. Notamment bah, Ouganda, bah, Rwanda, bah, ils allaient libérer. C'est le pouvoir de Kinshasa de délivrer tous ces pays-là. Quand il y a Kagame, quand il y a Museveni, quand il y a un pays union, surtout dictateur, on a présence, il y a fait un truc de série de pouvoir. Parce que Bissot to Bunda, pour la démocratie, to Bunda, pour la liberté, liberté d'expression d'une manière générale. Mais moi, j'ai la liberté d'alité. Donc, Ndeko, Tcharangona Moutou, c'est la RDC qui a libéré tous les pays frontaliers de Bissot. Merci beaucoup, tu vois, c'est la parenthèse. Tout ce que tu as dit, il y a député Moura Chouchou, ou assez au Samba Moukoyus Koleka Awa, mais assez au Koloba, assez au Samba, assez au Tanga Kombo et à moi, à Moka Kisha Mouyenge, on a qui. Ex-gouverneur, il y a Lualaba, mon amour, quand il y a des affaires, il y a des munitions. 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 Et pas il y a des ministres. Il y a ancien VPM de l'intérieur. VPM intérieur. Il y a mon amour, Richard Mouyange Mangaise. Il y a des munitions. Mais je pense que tout le monde est passé à démentir. Parce que si on a un mon chouchou, ma cambo, on a un chardement contre mon chouchou. Si on a monté ma cabane à Bino, on a un truc qui est pour conseiller qu'il y a des munitions à mon amour. Qu'est-ce que cela veut dire par là? C'est contradictoire. C'est ça. Tu dois reconnaître que non, à zone d'autorisation. Mais ma montant, on a dit. À zone d'autorisation, il y a port d'armes. Mais ma montant, on a dit. Allez-y comprendre. Il y a port d'armes. On est allé à l'association, il y a des étrangers. Il y a une mission, il y a un bot de la Bissot, il y a un congolais de père et de mère, mon cannabis. Mwanga Tchou, tu sais qui? C'est un Rwandais. Moïse Katumbi, c'est qui? C'est un Djif, c'est un Zambien. C'est l'association des étrangers. C'est pour cela que le peuple congolais, à Zanesengo, a soutenu loi Noël Tchani. Loi, on est en train de passer. Et cette fois-ci, les Congolais ont été matin. Pour les Congolais, on a été vivre dans les Congolais. Les Congolais ont été choisis. Ils ont piétiné les Congolais. À cause de ça, ils ont été tentés. Ils ont été tentés. Ils ont été tentés. Le jour où loi, on a été débattu dans l'Assemblée nationale, mobilisation générale. Congo est bougé. Assemblée nationale, on a dit qu'on refoulait. Loi O, on a envisagé Moutouman ou Manamboka. Et on a envisagé Nani. Loi O, Noël Tchani, et Zalikaka, un objectif, Moko, sécurisation, il y a un poste de souveraineté en Moko Nabiso. On doit protéger le poste de souveraineté. N'importe qui a dit qu'on a poste de souveraineté. Ce n'est pas quand dans notre pays, nous sommes en retard. Allez en Égypte. Dans l'Égypte, quand il y a une constitution dans le Bango, pourquoi ma présidente de la République, non seulement il faut avoir des pères et des mères, mais moi aussi, il faut avoir des pères et des mères. Tel est le niveau de condition. Est-ce que, dans le niveau d'Égypte, l'Égypte se brûle, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps en sécurité. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Cardinal Nazan Lubumbashi, cardinal s'est touché là, il a bien mis sur la déclaration. Sur la déclaration. Il y a mis en entre Bissot et Égypte, il y a un peu. Loi Tchani, il y a sécurisation, il y a un poste de souveraineté, il y a un Bissot, il y a un Congolais, il y a un Bissot, mais il y a Égypte et Kaboulaté. Dans le niveau de pays arabe, dans l'Algérie et Kaboulaté. Dans l'Algérie et Kaboulaté. Ce n'est qu'ici, en République du Congo,
Mais loi on a et on a divisé le peuple congolais. C'est faux. On est allé ma solo à l'okuta. Et peuple a défié Bango. Lors de loi on a et qu'on a débattu au niveau de l'Assemblée nationale, au moment là, véritable force c'est peuple congolais. C'est peuple a reçu loi. Noël Tchani, à ça qu'on circule librement dans la carte de. Ce qui peut être d'accord avec Noël Tchani, mais Tchani a la libre. Tchani a libre. Tchani a libre. Donc, on quitte la croyance, surtout. Libre. Peuple a d'accord dans la loi. Parce que le peuple a souffert. Le retour de soi est un abisso à cause de l'infiltration contre un abisso. À cause de l'infiltration. Nous devons mettre fin à l'infiltration dans un abisso. Merci beaucoup. Nous allons mettre fin à cette infiltration dans à Marseille. Tout comme Asuka et Monsieur Nabisso Moukoua, le Mamboka. Monsieur Asuka n'y a que lancé les bateaux partout dans mon intérieur de la Congolais télévision, Mamboka Marseille. Message est allé que c'est un abaïm Moka, surtout partout dans le monde, tout à la derrière Mokozi Mboka. C'est lui la solution Mboka Nabisso. Yene Moutou a même une solution dans le Congo. Azako Bunda pour qu'il mette fin définitivement à la situation à Est. Et pour soutenir la loi de Noël Tchani. Là où on est retourné dans mon côté, nous sommes derrière cette loi. Nous sommes derrière la loi. Parce que mon cannabis est un peu de protéger ma poste de la souveraineté. Merci beaucoup, Mme Marseille. Si vous avez des remarques et tout ça. Bande de surtout parce que la poste de la moi, Mme Marseille, moi, vous aurez toujours la piste 243 89 88 533. Merci beaucoup, Mme Marseille. Allez, nous vous remercions. Ok. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. We'll be right back.